génial. C'est d'enfer. Tu connais les règles, Zach. Pas de planche à roulettes dans la maison. Mais c'est pas de ma faute, c'est celle de Chester. Chester? Pourquoi c'est de sa faute? Pose-lui la question toi-même. Chester! Lâche ça immédiatement, ça a pu traîner n'importe où! Je rêve! Est-ce que moi je recevrais une récompense pour lui avoir mordu le derrière? Je t'adore, grosse boule de poils sur pattes, mais tu n'es pas un cadeau comme animal domestique. Comment peux-tu dire ça, Zach? C'est vrai, regarde-le. Chester, fais-le beau. Rapporte la balle. Allez, parle. C'est assez pitoyable. Tu vois, j'aimerais bien avoir un vrai animal domestique, hein, qui sait faire des tours. Tu ne t'occupes même pas de Chester. Tu ne le promènes pas, tu ne lui donnes pas à manger. Bien sûr que si, je lui donne mes fonds de pantalon. Oh, tu ne pourrais pas gérer un autre animal, hein, c'est déjà bien trop pour toi. C'est faux! Je peux très bien te nourrir. Pourquoi ces sacs sont si durs à ouvrir? Si j'avais un autre animal qui sait faire des tours, je saurais m'en occuper sans problème. Quel genre d'animal? Oh, je voudrais un lézard. Oh, et un poisson. Et un macaque. Et un wallaby. Tu ne peux pas en avoir autant. Il n'y aurait plus assez de place pour loger ta famille. Oh, et si je mettais les quatre en un seul animal? C'est une blague. Il ne s'agit pas d'art abstrait, Zach. Si jamais tu fais ça, tu joues avec les lois de la nature. Justement, Jeff, c'est 100 fois plus génial. Je vais donc dessiner l'animal le plus parfait du monde. Attends une minute. Il faudrait un peu s'informer à propos de ce genre de choses avant de... Hey, où est l'animal de mes rêves? Pourrais-je savoir ce que tu as dessiné, Zach? En tout cas, pas ce truc. Cool! Voilà une bestiole super! Mais qu'est-ce que c'est? Impossible à dire. Ça semble être une nouvelle espèce, une sorte d'hybride très bizarre. Je vais baptiser cette espèce... Les qu'est-ce que c'est? Il a une nageoire dorsale. J'ai pas pu résister, les squales sont au poil. Le qu'est-ce que c'est m'aime bien. C'est naturel en fin de compte. Tu l'as créé toi-même en gribouillant un simple croquis. On dirait qu'il aime ce mot. Croquis, je te présente Jeff. Regarde, il s'est serré la main. Il met le feu à la piste de danse. Fais le mort maintenant. Quel grand acteur. C'est à n'y rien comprendre. J'ai fait 50 pompes au pied de la fille en question. Et elle est partie sans parler. Si tu veux arriver à séduire cette fille, tu devras faire plus que gonfler tes biceps devant elle, Eric. Oh, je vois. Je dois lui montrer mes triceps aussi. Hein? Oh, non, fiston. Il faut que tu parles à cette fille, que tu l'écoutes, que tu apprennes à la connaître. L'écouter? Oh, malheur. Hé, Eddy! Oh! Calme-toi, petit. J'ai l'honneur de vous présenter Croqui. Mon nouveau copain. Wow, délire! Couchez!
Oh, excuse-moi, je voulais pas te faire peur, Croqui. Tu vois, quand tu réclames vivement son attention, il a peur de toi. Quand tu as parlé gentiment, il s'est approché de toi. Tu veux dire que les filles sont comme les animaux? Non, pas du tout. Non, il faut que tu noues un contact avec elles en te mettant à son niveau. Oh, c'est très bien, Croqui. C'est plus clair? Alors, elle aimera les animaux musiciens? Ça c'est Croqui, maman. C'est un animal errant que j'ai trouvé dans sa chambre. On aura vraiment tout vu. D'accord. Tu as le droit de le garder si tu t'en occupes. S'il y a le moindre problème, il retourne au là où tu l'as trouvé. D'accord. Et nourris-le pour commencer. Je lui ferai un menu dès que j'aurai trié le contenu du sac de l'aspirateur. T'es vraiment un qu'est-ce que c'est super malin. Oui, mais qu'est-ce qu'on doit donner à manger à un animal qui n'a jamais existé avant? C'est un mélange de plusieurs animaux alors. Essayons un mélange de plusieurs aliments. Il y a du poisson, des légumes, des fruits, de la viande, des céréales. Tous les groupes d'aliments sont là. Alors, dis-nous ce qui te plaît. Décide-toi, il faut que tu manges. Incroyable! Il a l'air d'avoir un régime aussi unique que lui. Il mange des trucs. Oh, n'oublie pas, un bon maître fait toujours faire de l'exercice à son animal. Je vais m'en occuper. Je vais faire des courses en ville. J'achèterai à manger pour Croqui. Vous voulez quelque chose au supermarché, dites-moi? Non, ça va. Non, merci bien. Voyons ce que Croqui sait faire. Va chercher. Il lui faut quelque chose de plus lourd que ça. Je peux te lancer dans ses griffes. Va chercher. Wow, Croqui vient de croquer une boule de croquet. Pour sa mâchoire, tu t'es inspiré de quel animal? De la hyène. Je voulais qu'il puisse rigoler. Les hyènes ne savent rigoler que dans tes rêves et dans les dessins animés. Par contre, leurs mâchoires sont capables de broyer des sabots et des os. Ah, oh, dommage. Pourquoi t'as rien dit en me voyant dessiner, hein? Quoi? J'ai essayé de... Oh, laisse tomber. Ne sois pas trop sévère avec toi-même. Pour l'instant, essayons de le retrouver. Il est ici, proche chevalier. Il est trop mignon. Mille merci, noble destrier. Tu es vraiment un prince parmi les... machin truc. Hey, il a envie de danser. Smurf sur ta queue, Croqui. Je crois que c'est une danse tout à fait différente. Le genre qu'on fait quand on a eu trop de boules de croquet à manger. Oh, il va me falloir une pelle. Tu vois, s'occuper d'un animal domestique est un vrai jeu d'enfant. Croqui est vraiment très futé. Il sait déjà aller aux toilettes. Eh oh, tu oublies celui qui lui a appris à tirer la chasse. On applaudit bien fort le grand Zach. Ouais, tu es le meilleur. Oh, maintenant, fais-le sortir. Oh. Zach, tu ne dois pas laisser Croqui monopoliser les petits coins. Allez, refaisons un essai. À tes marques, prépare-toi, cours! Un vrai petit charpentier, pas vrai? Il ne crottera pas des planches entières. Peut-être de la sciure, mais ce n'est pas le problème. Il grossit à vue d'œil. Il devient vraiment immense. Ah, c'est vrai qu'il passe un temps incroyable à la cuisine. C'est parce qu'il la dévore. Il a terminé la table et les chaises qui restaient. En tout cas, heureusement que nous avons un immense jardin, hein, pour la croissance de notre gros bébé. Peut-être qu'il a des gènes de poisson-ci. Génial! Le plus grand.
grand bûcheron du monde. D'accord, il a peut-être pris un paquet de kilos superflu, mais qui dit qu'un animal domestique doit être mince? Le problème, c'est qu'il est capable de dévorer n'importe quoi. Oh non, il est capable de tout. Il pourrait se mettre à voler ou à creuser des galeries ou... Ou à cracher des flammes. Ça, ce serait vraiment pire que tout. Viens, mon grand! J'avais pris la peine de taper un programme d'exercice pour Cindy, mais elle a froissé la feuille puis elle a jeté dans une poubelle. C'est une excellente idée de lui écrire. La poésie est une bonne façon de séduire l'être aimé. La poésie, hein? Qu'est-ce qui rime avec musclé, raclé, bouclé, bâclé? Papa! Eric! Sautez de l'arbre avant qu'il... La poésie t'aidera, fiston. Oh oui! D'accord. Ah, ça m'inspire, ça. Tu es mystérieuse comme les druides, mais tu dois t'hydrater pour remplacer tes fluides. On va devoir retravailler tout ça. T'as une autre idée, au grand Zach? On n'a plus le contrôle du qu'est-ce que c'est. Je vais le discipliner. Observe l'artiste. C'est un vilain qu'est-ce que c'est, ça, monsieur? T'es méchant et tu me déçois. Tu es un très, très, très gros vilain. Tu seras puni. Retourne-toi, Jeff. On doit lui montrer qu'on est unis. Hey, on n'est pas ses parents. Bah... toi, peut-être, ou ton Pagix, ou... Oh, laisse tomber. Fais quelque chose! Je suis sujet au vertige, Zach! J'ai la frousse d'être dévoré vivant! Ça va! Calme-toi! Mince! Je crois que l'élastique de mon caleçon vient de lâcher! Dessine au lieu de raconter des bêtises pareilles! Fais vite, Zach! Il avance! Beau dessin, mon vieux! Dessiner croquis dans la cage, ça aurait peut-être été mieux. T'essaieras de faire un dessin dans les airs pendu par ton pantalon. Oh, qu'est-ce que croquis fabrique là-bas derrière? Pas là-bas derrière, là-bas en haut. Comment va-t-on s'échapper d'ici? J'ai vidé toute la puissance du Pagix en dessinant cette espèce de cage. Allez! 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 C'est grotesque, les films fantastiques que tu regardes. Qui croit encore à ces monstres extraterrestres géants? Derrière moi, la population s'enfuit et les véhicules volent comme des fétus de paille. Devant cette massive créature qui avance tel un cyclone à travers... Vaut mieux que tu arrêtes de regarder la télévision et que tu le laisses se recharger pour pouvoir nous sortir de cette prison. Hé, regarde! Chester, vieux bandit! Approche, Chester! Apporte-moi la clé-clé! Tu la vois? Vite, donne-la-moi! Pousse-la! Fais comme moi! On jouera à la balle plus tard! Donne-moi cette clé! Tu es un brave toutou, mais je veux juste la clé! Il m'énerve, on se passera de l'aide de ce chien débile. On sortira seul de ce guépier. Le meilleur ami de l'homme, ça, tu parles. Peut-être qu'on devrait sortir par le tunnel que Chester vient de creuser dans le sol de la cellule. Ah, bien sûr. Je voulais dire chien habile. Ils grandissent trop rapidement. En tout cas, il s'est vite transformé en ado colérique et capricieux. Et célèbre. Il faut que je l'arrête avant qu'il ne blesse quelqu'un ou qu'il se blesse, le pauvre. Laissez-moi lui parler. Que viens-tu faire ici, Rachel? Oh, je vois, il y a des caméras de télé dans le coin. Je l'avoue, c'est vrai que j'ai vu croquis à la télévision, mais je suis là pour aider, pas pour être une star. Si
la caméra me filme, ce sera pas mal, mais je suis vraiment venue pour aider mon prochain. Hé, hey, Croquis, Croquignolet, regarde ça. Ça, je l'aurais jamais cru. Ces cours de danse vont servir à quelque chose. C'est fou. Aïe! Croqui, repose-moi. Il s'agit d'un solo, pas d'un numéro en couple, mon grand. Ça lui apprendra à vouloir absolument être filmé. Oublie ta sœur. Il faut arrêter Croqui au plus vite. Croqui, pose ma sœur, dépêche-toi. Ah, super. Et comment vais-je pouvoir être filmé en gros plan coincé sur ce toit, hein? Il ne reste qu'une seule solution. C'est moi, Zach, qui dois affronter la bête à main nue. Tu vas recevoir une bonne correction. Ça, je peux te l'assurer, espèce de gros patapouf. Fais bien attention. La bête est énorme et se bat avec fourberie. Et toi, tu es tout riquiqui et quelque peu ridicule, petit criquet. Peu importe. Croquis va amèrement regretter d'avoir osé venir au parc sans sa laisse. Je jure de lui faire crier grâce. Oh oui, je le jure. Moi et la bataille est perdue. En parlant de cause perdue... Tes yeux luisent comme un piège secret. Tu es la ligne d'arrivée du 110 mètres haie. Reviens, j'ai écrit une deuxième strophe. Pauvre Eric, je crois qu'il n'a aucune chance de se trouver une copine. Faut peut-être qu'il se douche plus souvent. Croquis n'a pas l'air dans son assiette. Je te lance. Ah, excellent. Je crois savoir pourquoi il est triste. Croquis a besoin d'un ami, quelqu'un comme lui. Je crois que ton frère a de meilleures chances. Statistiquement, les chances de Croquis sont de 1 sur... Oh, ben, elles sont pas bonnes. Il faut quand même essayer. Il a besoin d'un coup de main. Viens, Croquis. On va te trouver quelqu'un qui te ressemble. Qui veut un sandwich de boule de croquet? C'est qui, hein? C'est Croquis, oui, oui, oui. T'en fais pas, on va te trouver un copain. On a juste à faire des recherches pour ça. Ben en fait, c'est Jeff qui va faire tout le travail. Le truc, c'est de trouver une créature à laquelle tu peux t'identifier. Un autre, qu'est-ce que c'est? Mais la question, ce serait plutôt où est-ce que c'est? Hé, hey, qu'est-ce que tu dirais d'un orignal? Il pourrait te gratter le dos avec sa ramure gigantesque. Wow, vise un peu les tentacules. Cette pieuvre risque d'être un peu collante. C'est toujours sympa de se balader à côté du patron de la savane. Au secours! Ça, c'est l'animal le plus bizarre et le plus grotesque que j'ai jamais vu. Oh, je crois qu'on a un vainqueur. C'est un ornithorynque. Voilà la preuve que tous les goûts sont dans la nature.
Bah, c'est normal qu'il plaise à Croquis. L'ornithorynque est parfait. C'est un mammifère à fourrure qui a un bec et des pattes palmées. Un mélange de tout. Tout comme Croquis. Elle avait l'air d'adorer mon poème et soudain, ouf, elle a mis les voiles. Et tu es sûr que tu avais pris une douche? Je m'étais même brossé les dents pour montrer mon attachement. Eh, c'est pas mal, ça. Bravo, Zach, je me suis trompée à ton sujet. Tu t'es très bien occupée de ce charmant Croquis. Il n'a causé aucun problème. C'est facile, maman. Il faut juste du travail et de la patience. Je suis sûre que tu vas t'éclater là où tu vas, Croquis. Il est plein de sandwichs de boules de croquets, tes préférés. T'es prêt à partir? Je peux voir? Bien sûr. Bienvenue au pays des qu'est-ce que c'est? C'est une carte postale de ce bon vieux Croquis. C'était une ornithorynque en fin de compte. C'est fou. Voilà une belle histoire, hein, Chester? Chester, lâche ça tout de suite. Bah, au moins, il ne mange pas les meubles ou les palissades ou les boules de croquet. Et ne crache pas de flammes. Bon toutou. Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Croquis m'a envoyé autre chose. Ah. Oh. Il va nous falloir d'autres boules de croquet. Hey.